Vous avez retenu quoi de Cyberpunk 2077, vous? Votre personnage vit, entraîné dans une course contre la montre, contre la mort? Ou bien Johnny Silverhand, la puce terroriste, la petite voix dans votre tête qui vous rappelle l'inéluctable, qui vous souffle qu'on peut faire la révolution et changer le monde, changer cette ville, cette société aux mains des corpos? Ou bien encore Night City? Peut-être Night City, ses couleurs et couleuvres, ses espoirs de condamnés, ses souffrances à l'appel et à la peine, ses vétérans et complotistes à chaque coin de rue, ses cyberpsychos indésirables mais sauvés, enfin pour ma part. Non? Vous retenez aucun de tout cela? Alors, sans doute comme moi, vous ne pensez qu'à l'ensemble des personnages qui interagissent avec vous tout au long de l'aventure. De l'amour impossible de Kiri, au caractère bien trempé, bien entier de Panam, en passant par la mélancolie de Judy. Tous m'ont marqué par leurs histoires, leur personnalité, leur existence dans cet univers qui cherche à les engloutir. Aucun ne vous laissera indifférent. Aucun ne vous paraîtra pas attachant. Et oui, je pense que c'est le terme adéquat. Au-delà de votre personnage, au-delà de votre interaction avec Johnny, au-delà de son approche du cyberpunk et de Night City, CD Projekt Red m'a offert des histoires et des souvenirs à me remémorer au travers de ceux qui pour moi sont les personnages principaux de leur jeu. No, I know everything I need to. I believe. Perhaps I should send Rogue flowers to thank her for introducing us. Not really your style, don't think. I would add a card. Thank you for giving me a true friend, you manipulative whore. That's my girl. Comment ne pas vous parler de Jackie Wells? Personnage arraché au joueur comme on vous priverait d'un ami d'enfance. D'une personne qui était entrée dans votre vie avec fracas et qui semblait ne jamais ressortir pour votre plus grand bonheur. Mais aussi cruel qu'est le monde réel que mimique Cyberpunk 2077, vous découvrirez bien assez tôt que cette aventure prendra en main les plaisirs à vous enlever vos meilleurs souvenirs, à vous déchirer le cœur en vous rendant impuissant malgré vos capacités en hacking ou votre sang dévistant surpuissant. J'ai compris alors que j'allais perdre à la fin de Cyberpunk 2077. Mais j'ai aussi gagné tout au long de Cyberpunk 2077. Je revois mon sourire face au clin d'œil de Judy, son monde perdu et oublié pour un avenir d'espoir. Elle qui m'avait paru distante, compliquée, voire même casse-couille par moments, oui. Puis à mesure que je découvrais une femme aimante, envers sa plus proche moitié, envers ses plus proches semblables, sa communauté, son monde, j'ai appris à l'aimer. Je revis mes projets et objectifs avec la détermination d'Evelyn pour une vie loin des agressions et paisiblement accomplie. Une vie qu'elle ne choisira pas en ce monde sans pitié ni relâche. C'était trop, trop tard. Lâchant prise, je pars vivre le monde avec l'énergie contagieuse de Jackie. Des rêves de gosse pur pour une vie de sommet dans les nuages, une vie qui lui a été octroyée de côté, mais où il se retrouva seul. My whole life I've spent in this shit around us, and I ain't going back. Je fuis avec fracas en portant l'amour de Kerry, sans retour, sans partage, d'un impossible avenir, d'un passé regretté mais accepté. J'embarque alors la loyauté de Goro, aussi aveugle pour les uns qu'admirable pour les autres. Elle s'accroche et survit. Sometimes I wish to become a nomad, to leave this world, forget everything. Je me repose ainsi sur l'attention de Misty à mes côtés, ses mots, sa présence et sa force dans un deuil cruel, dans un dernier lien à la vie une fois parfaite, à la mort une fois trouvée et célébrée. Je m'interroge et regrette alors mes choix, faisant écho au tiraillement de Rogue, survivant au sommet des morts, d'efforts pour trouver une vie de sens sur le chemin solitaire qu'on lui a tracé. Une échappatoire à la cage où elle a dû se refermer pour ne pas finir engloutie. Pour espérer ne pas disparaître elle aussi. Tried so hard to pretend nothing's changed. Et je n'oublie pas Théo et Brendan le distributeur. ChatGPT avant l'heure. Une oreille. Une relation factice mais plus humaine. Plus réelle que la manipulation de Claire. Enfouie par sa raison de vivre. Dans cette vie de gourmande et pécheresse, individualiste et égocentrique. Je ne veux pas tous vous les décrire tels que je les ai perçus, tels que je me les remémore à cet instant.
pour que vous aussi vous puissiez les rencontrer, apprendre à les connaître, pour que vous aussi les aimiez ou détestiez par la suite dans toute leur complexité. Et ils sont nombreux à vous marquer au fer rouge, à vous offrir, vous ouvrir leur monde. Ce sont eux l'expérience du jeu Cyberpunk 2077. Ce sont eux les héros de l'aventure Night City. Et vous, les personnages secondaires, les accompagnateurs de leurs aventures, de leurs souffrances, de leurs voyages en ce monde. Peu importe vos capacités, peu importe vos choix de dialogue, s'ils vous quittent, ils brilleront toujours dans la nuit d'une ville, d'une vie ou l'éternité.